T'en fais une tête. Tu t'es assis sur un oursin? J'ai de bonnes raisons d'être comme ça. Mon bon à rien de fils est parti avec mon bateau et devrait déjà être revenu. Il fait probablement le joli cœur avec cette fille de Mytilène. Pain! Il n'a probablement pas vu le temps passer. Je suis certain qu'il va revenir. Bien sûr qu'il va revenir. Mais c'est maintenant que j'ai besoin de lui. Ces poissons ne vont pas s'écailler tout seuls. Malaka, dis, tu aurais le temps de m'aider? Va chercher mon fils dans la baie qui borde la vallée pétrifiée et la perle antique. Et quand tu le trouveras, fais-lui un peu peur. Ça lui donnera une leçon. Je te paierai. Je vais m'en charger. Bien. Ramène-le. Je lui donnerai une correction. Où est-ce qu'elle se trouve, cette baie? La baie des pêcheurs est au nord-est d'ici et passe par le milieu de notre île. Tu ne peux pas la manquer. Dis-moi plus sur cette fille. Je ne sais pas grand-chose. Une mignonne de Mytilène qui a appris l'histoire et la poésie à cette école là-bas. À cause d'elle, mon fils a la tête dans les nuages et pas à son travail. Assez bavardé. Je vais aller chercher ton fils. Oui, vas-y. Je te paierai. Et à son retour, je ferai passer à mon fils l'envie de prendre mon bateau. Il est temps de chercher la baie des pêcheurs. Voilà la baie des pêcheurs.
Voilà le bateau de pêche. Et le fils du pêcheur, où est-il ? Il y a du sang dans l'eau. C'est le fils du pêcheur. Le fils du pêcheur. On dirait qu'il s'est emmêlé dans le filet en essayant de remonter une grande quantité de poissons. Il a glissé et le poids du filet l'a entraîné. Des nouvelles de mon fils ? Ton fils est mort, noyé dans son filet de pêche. Non. Mon fils. Mon pauvre fils. Je lui ai demandé trop.